Cette semaine, nous parlons de l'opération Nunatput 2017, de la 101e marche internationale de 4 jours à Nijmegen, aux Pays-Bas, ainsi que de 3 programmes d'été qui sont destinés aux Autochtones et qui se dérouleront à l'échelle du Canada en juillet et au mois d'août. Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis Audrey Portela. Je suis le major Jean-François Lambert. Voici ce qui fait les manchettes à la Défense pendant la semaine du 17 juillet. La participation d'environ 140 membres des Forces armées canadiennes et employés du ministère et organismes fédéraux à l'opération Nunatput 2017 se terminera sous peu. L'opération, qui a commencé le 26 juin dans les territoires du Nord-Ouest, consistait en une série de patrouilles maritimes et de patrouilles de sécurité, ainsi qu'en des activités de reconnaissance sur l'eau et au sol, d'instruction de survie et d'évaluation de préparation en cas de désastre. Les Forces armées canadiennes mènent régulièrement des opérations et des exercices dans le Nord afin de renforcer la souveraineté du pays et de maintenir une présence visible et continue dans la région. Des opérations de ce type contribuent aussi à protection, sécurité et engagement, la nouvelle politique de défense du Canada. Et cette politique prévoit le renforcement des capacités des Forces armées canadiennes dans le Nord et la mise sur pied d'une capacité pan-gouvernementale, en plus de garantir la sécurité et la sûreté régionale. Du 18 au 21 juillet, 13 équipes des Forces armées canadiennes et d'autres participants prendront part à la 101e marche internationale de 4 jours de Nijmegen dans la campagne néerlandaise. La marche de Nijmegen, qui visait à l'origine de renforcer la capacité des membres de l'infanterie néerlandaise à parcourir de grandes distances en portant de lourdes charges, a évolué pour devenir un événement international de 4 jours qui attire 5500 participants militaires et plus de 45 000 civils provenant de plus de 50 pays différents et souhaitant mettre à épreuve leur endurance physique et mentale. Cette année marque le 65e anniversaire de la participation des Forces armées canadiennes à la marche de Nijmegen. En juillet et en août, les Forces armées canadiennes offrent aux Autochtones 3 programmes d'été à l'échelle nationale. Chaque année, les programmes Bold Eagle, Black Bear et Raven permettent à quelques 150 jeunes Autochtones d'acquérir de précieuses aptitudes comme la confiance en soi, l'autodiscipline, la gestion du temps et le travail d'équipe, et ce, dans un contexte militaire qui respecte et soutient leur culture. Les participants au programme sont enrôlés dans la réserve de l'armée de terre ou la réserve navale, et ceux qui réussissent leur programme obtiennent la qualification militaire de base de la réserve. Les programmes Bold Eagle et Black Bear relèvent de l'armée canadienne et se déroulent à Wainwright, en Alberta, et à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, respectivement. Le programme Raven, qui relève de la Marine royale canadienne, se déroule à la base des forces canadiennes Esquimalt, en Colombie-Britannique. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.